On s'est embrouillé en voiture avec Leonardo DiCaprio. Les gars, je tremble. C'était vraiment la fenêtre en face de nous, genre. En gros, je vous remets un peu dans le contexte, mais vraiment, mais on était dans une intersection. Et il se passe qu'en fait, il y avait une meuf qui essayait de reculer, mais en plein milieu de l'intersection. Sauf que nous, on était un peu trop avancés. Et donc, il y avait nous, la meuf, et donc Leonardo DiCaprio, sauf que nous, on savait pas que c'était lui, tu vois. Il commence à s'énerver, genre, il klaxonne, il était en mode, mais bouge. Voilà. On se dit, bah vas-y, on avance quand même. On avance, et en fait, il y avait la rue bloquée, du coup, on tombe fenêtre à fenêtre. Avec celle de Leonardo. Et du coup, c'est là où moi je réalise, je me dis, attends, mais sa gueule me dit vraiment quelque chose. Mais toi, t'avais vu avant, mais non? En gros, moi je le voyais parce qu'en étant derrière, je le voyais dans la diagonale et je me disais, mais en fait, c'est trop gros, genre c'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Le pote de Nila qui était avec nous, il dit, mais c'est Leonardo. Et là, on tourne nos têtes et on voit, genre vraiment, Leonardo DiCaprio dans sa voiture. Les vitres restaient teintées, mais on pouvait voir, il avait sa casquette et tout. Mais à 50 cm, meuf.